un exposé pour l'ensemble des élèves qui sont ici, les différents niveaux de l'établissement. Alors donc, sans tarder, je vais un peu planquer le décor de l'œuvre. C'est que Sous l'orage est écrit par un écrivain malien qui s'appelle Seydou Badian. Il a publié cette œuvre en 1957. Et n'oubliez pas que les années 57, ce sont les années qui précèdent nos indépendances. Alors donc, Seydou Badian aussi a fréquenté l'école française. Il a continué ses études en France, à Montpellier, avant de devenir médecin. Donc, à la veille des indépendances, Seydou Badian a publié l'œuvre Seydou Badian. Donc, on pourrait dire que les années 50, 58, 60 sont les années où les Africains commencent à avoir leur indépendance. Mais n'oubliez pas, nous sommes des nations colonisées. Et qui dit colonisateur, le Toubab, avant de partir, nous a laissé avec sa langue. Ils nous ont laissé avec leur culture. La preuve aujourd'hui, je suis en train de m'exprimer en France devant vous, chers élèves. Voyez? Donc, le français, c'est notre langue officielle. Alors, le Toubab, avant de partir, en nous laissant sa culture, sa langue et autre chose, les gens qui commençaient à fréquenter l'école du Toubab commençaient à se comporter comme eux. Mais, cependant, nos parents qui restaient à la maison étaient eux aussi éduqués sur le plan traditionnel. Donc maintenant, je reviendrai sur le sens du titre de l'œuvre, Sous l'orage. Quand on dit on orage autant pour moi, au sens propre du terme, c'est une précipitation atmosphérique accompagnée d'averses, d'éclairs et de tonnerres. Mais ici, nous sommes au sens figuré. Regardez le titre de l'œuvre, Sous l'orage. Maintenant, au sens figuré, un orage, c'est quoi? Une lutte. Il y a un conflit au sein d'une famille entre des membres, des différents membres d'une famille, la famille Benfa. Voilà le titre, Sous l'orage, un orage. C'est-à-dire, c'est une lutte, une agitation entre des personnes et des groupes humains. Vous voyez? Alors donc, maintenant, les différents thèmes développés dans l'œuvre par Seydou Badian, le premier thème, c'est le conflit des générations. Quand on dit un conflit des générations, c'est-à-dire, il y a un malentendu entre les anciens et les jeunes. Ce qu'on appelle le camp des anciens et le camp des jeunes. Maintenant, voyons les personnages qui composent le camp des anciens. Au premier des rangs, nous avons le père Benfa. C'est le patriarche. On l'appelle le maître de la maison. Il aime qu'on l'appelle comme ça, hein, parce que n'oubliez pas, nous sommes en Afrique traditionnelle. Celui qui est au devant de la scène, hein, on le voue beaucoup de respect. Ensuite, il y a ses frères, comme Sori, comme Tiemoko, okay? Son grand frère Perjigi, etc. Mais la scène se passe où? En ville. Père Benfa habite en ville avec ses enfants et ses petits frères. Son grand frère Perjigi, lui, il habite au village. Donc, dès l'entente de l'œuvre, dès le début de l'œuvre, sachez que toutes les scènes se passent en ville. Vous voyez? Alors, le père Benfa, Maman Tene, Moussa, Souri, Tiemoko, Perjigi, Tiemon le soigneur, Mata, la dernière femme de père Benfa, Tchekoura, le féticheur, Maman Tene, Ousmane, le marabout, voilà les camps des anciens. Alors, pour le camp des jeunes, nous avons Kani, l'héroïne. Kani, l'héroïne. Alors, le conflit de génération ne se limite pas seulement sur le mariage de Kani, nous y reviendrons tout à l'heure, mais sur pratiquement tous les fonctionnements de la société. Ils n'ont pas le même point de vue. Quand les vieux disent c'est ça, les jeunes disent non, nous, à l'école, c'est ça que nous avons appris. C'est comme ça qu'il faut gérer la cité. Les choses relatives au bon fonctionnement de la société. Vous voyez? Alors, le premier éclatement, ou le premier conflit, se déroule lors du mariage de Kani. Kani, elle a été élevée par son père.
Un jour, son père commence maintenant à changer, à réfléchir autour du mariage de Kani. Alors, il décide de donner Kani à un vieux marchand, un vieux commerçant qui s'appelle Famagan. Et Famagan, il est un polygame. Vous savez qu'en Afrique traditionnelle, c'est pas la fille de choisir son mari, hein. C'est son papa, la famille des deux amants ou les deux époux. Ensuite, le conflit débouche sur les normes et les us, la hiérarchie de la société. Je sens qu'il va bientôt partir parce qu'il commence à vieillir. Père Benfan commence à transmettre ses savoirs, ses connaissances et comment gérer la famille à Sibiri, son fils aîné. Parce que c'est comme ça que la tradition marche. L'éducation se transmet de génération en génération. Donc Père Benfa n'a pas droit à l'erreur. Avant de partir ou avant de partir en tête, il doit transmettre ça en Sibiri. C'est pourquoi Sibiri, bien vrai qu'il est étant jeune, il fait partie des camps des anciens. Ouais. Alors maintenant, si vous avez vos livres, vous allez à la page 60. Allez à la page 60, s'il vous plaît. Hein? Vous n'avez pas voulu? C'est dommage. Le conflit des générations. À la page 60, voyez ce que les enfants disent. Quelles sont ces façons? Je vous l'ai mille fois dit, il faut absolument flanquer toutes ces mesures, mœurs, par-dessus. Bon, oui, cette situation que nous faisions à la femme nous mettra éternellement en état d'infériorité à l'égard des autres peuples. Oui, flanquons toutes ces coutumes en l'air. Ce sont les enfants qui vont dire ça aux vieux. Maintenant, vos traditions, vos normes là, ouais, on va les flanquer de l'air. On ne va pas respecter ça. Oui, des gens qui vivent de génération en génération, vous vous levez un bonjour, vous dites non, vos pratiques. Comme la manière de célébrer le mariage, la manière de célébrer le doute, la manière de célébrer le haut, c'est pas bon. Ça, on va dégager ça. Mais ils risquent de frustrer les vieux. Ensuite, il continue de dire, libérons la femme si nous tenons à vivre. Ces coutumes font notre faiblesse. Si nous voulons vivre un peu plus fort, c'est la femme qui fait démarrer la société. Vous voyez? Les jeunes commencent à attaquer les normes. Les coutumes sont juste établies par les anciens. Ils disent non, il y a une qui célèbre le mariage barou. La manière dont vous célébrez les non-morts là, nous on ne le conçoit pas comme ça. On va changer. Vous voyez? Maintenant, toujours rendons-nous à la page 36. Oui. Tchemoko dit, mon avis à moi, cependant mon avis est peu à côté du moi. Cependant mon avis est un peu à côté du tien. Benfa, tu es notre maître. Et si les gens te mènent vers nos ancêtres, leur chaleur aussi habite en toi. Nous te suivons comme toujours et demandant à Dieu la faveur de bénéficier le plus longtemps possible que tes conseils. Ouais, la société africaine là, on suit, on ne critique pas. Le père Benfa dit, faites ça, on se fait, sans critique. Ok? S'il dit que je vais donner à Kani Famagan, personne n'a le droit de respecter, personne n'a le droit de payer mon. C'est comme ça. C'est ça que les jeunes n'acceptent pas du tout. Ouais? Ensuite, à la page 51. Alors, Kani dit, Père, me charge de vous transmettre, c'est Sibiri qui parle, hein, la nouvelle, et de vous remettre ces quelques noix de cola. En Afrique traditionnelle, quand le père décide, il consulte d'abord le fils aîné. Il a parlé avec le fils aîné Sibiri. Hey, Tali va bientôt devenir une épouse de Famagan. Vous voyez? Ensuite, il consulte ses frères. Hein?
Au retour, c'est Sibiri qui doit appeler ses frères, les Birama, les Nyanson, ok, et Timoko, pour leur transmettre la nouvelle. C'est comme ça que ça se passe en Afrique. Les femmes, vous, vous restez dehors. Vous n'avez pas droit à la parole ici. Ok? Ensuite, maintenant Sibiri, lorsqu'il a convoqué ses frères pour leur dire la nouvelle, c'est là où c'est le début du conflit. Parce que n'oubliez pas, hein, le conflit des générations là, tout se noue au mariage et se dénoue au mariage de Tani. Le commencement du conflit, c'est lorsque Père Benfa a débuté, a commencé à eu son projet, donner Tani à Famagro. Les frères de Sibiri se sont révoltés contre leur frère d'abord, ensuite ils se sont révoltés contre leur père. Tani, elle-même aussi, elle s'est révoltée contre son papa. Chose inimaginable hein, en Afrique traditionnelle. Pourquoi? Parce que Tani maintenant, elle est une héroïne. Elle est allée à l'école, elle a fréquenté la culture occidentale. Elle commence, elle veut s'émanciper, elle veut briser les chaînes hein, qui nous empêchent de marcher, de continuer, de progresser. Voilà la vision des jeunes. Ensuite, maintenant, venons-en au mariage. Dans l'œuvre de Seydou Badan, sous l'orage, nous avons deux types de mariage. Il y a le mariage traditionnel et le mariage moderne. Mariage, c'est l'union de deux personnes réunies soit par la famille, soit par une autorité administrative. On y reviendra tout à l'heure. Le mariage apparaît comme le thème principal du roman. C'est autour du mariage que se noue puis se dénoue le conflit. Donc tout est parti du mariage de Tani. Maintenant voyons le mariage traditionnel. Pour les anciens, comment conçoivent-ils le mariage? C'est un événement religieux et solennel. C'est-à-dire les parents de la jeune fille et ceux du garçon se retrouvent. Ok? Sans même le consentement de la jeune fille ou bien même hein, des jeunes garçons. Il y a un moment derrière, nous les taquons le sol. Tu te lèves un bon jour, tu manges sale, maintenant tu as un mari. On ne te demande même pas ton avis. Oui? Donc, il y a un ensemble de rituels qui précèdent le mariage. Proprement dit, distribution de cola, goulot. Ok? Ensuite, pour le rendre officiel, généralement ce sont les parents des deux familles qui décident et les intéressés suivent. L'homme et la femme, on ne vous consulte pas. C'est-à-dire peut-être, M. Bob a une cousine, maintenant c'est son père qui va la démarcher. Bob se réveille un beau jour, hey, attention, maintenant tu n'es plus célibataire. Hein. Hier, j'étais parti chez ta badienne, maintenant tu as une épouse. L'épouse aussi, on ne la consulte pas, on n'a pas besoin de son avis. Ouais, le mariage traditionnel. Ensuite, la dot. La dot, normalement, elle devrait être destinée à la jeune fille. Mais non, la dot, ce sont les parents qui se la partagent. Et pour le temps des jeunes, ils disent que cette dot-là, mais la fille est une marchandise. C'est comme une vente aux gens chers. On considère la fille comme une marchandise. Voilà le point de vue des jeunes. Ils disent non, vous là, la dot-là, normalement, on doit la donner à la jeune fille. Non, non. Ce sont tes parents qui vont se partager ça. Oui, ce qui est dangereux, ce qui est dommage pour les jeunes. Alors, elle dit, rendons-nous à la page 54. Page 54. Allez à la page 54, s'il vous plaît. Alors, lorsque Sibiri a dit aux jeunes que maintenant Kani est marié, voilà, il y a une altercation entre Birama et son frère aîné Sibiri. Et Sibiri l'a dit, je ne sais ce qu'on vous met dans la tête à l'école, mais vous revenez gâtés, insolents. Et irrespecté, dans la rue, vous feignez de ne pas voir les grandes personnes afin de ne pas avoir à les saluer. Vous voyez les jeunes,
Il commence à avoir des comportements irrévérencieux envers la culture traditionnelle, envers les coutumes et les us et coutumes traditionnels. Donc, le mariage traditionnel, c'est une affaire de deux familles, ok? Et les deux individus suivent la vie des vieux. Voilà ce qui me révolte, les jeunes. Kani est une marchandise à vendre à la page 50, toujours à la page 50, 54. Vous voyez, il a dit que mieux faire le point de vue de Kani. Dans le mariage traditionnel, la fille n'a pas un point de vue. Que vient faire le point de vue de Kani? Dernière ligne, hein, pas 54, dernière phrase. Dans cette affaire, c'est nous qui décidons, comme il est d'usage. Donc, on ne consulte pas la fille. La fille n'a rien à dire ici. Ce sont les parents qui décident tout. Il dit, c'est à Kani à suivre. Depuis que le monde est monde, les mariages ont été faits comme nous le faisons. Tu es trop petit pour nous montrer le chemin. Vous voyez? Et Birama a répondu d'une manière insolente aussi à son frère. Il dit, ah, c'est ainsi, hurla-t-il. Eh bien, depuis que le monde est monde, les mariages ont été mal faits. Ce n'est d'ailleurs pas un mariage, reprit-il, mais une vente aux gens chers. Vous agissez comme si Kani était non une personne, mais un vulgaire mouton. Vous voyez, Birama compare Kani à un mouton. Il pense que la manière dont les anciens célèbrent le mariage, la femme est devenue comme une chose à vendre aux gens chers. Vendre aux gens chers. Le dernier, le YFR, l'homme prête, qui fait dans 200 000, qui ne le fait dans 1 million, qui ne le fait dans 300 000. Pourquoi le hasard le dire? Voilà les jeunes, le point de vue des jeunes. Maintenant, venons-en au mariage moderne. Le mariage moderne. Je pense que ça vous intéresse hein, parce que vous, je suis sûr et certain, parmi vous, il y a des gens qui ne veulent pas qu'on le choisisse en mari, n'est-ce pas? Et les garçons aussi, même chose. Alors, pour le mariage moderne, pour la jeune génération, le mariage traditionnel est très mal considéré. Pour eux, la dot est une vulgaire marchandise. Au lieu que la mariée en bénéficie, elle est au profit des parents. Les jeunes déplorent cela, le manque de consentement de la femme. Donc d'abord, pour les jeunes, il faut qu'il y ait un consentement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que la fille donne son point de vue. Que la fille soit d'accord avec celui à qui on veut. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc le mariage moderne doit être un choix mutuel de deux personnes. Comme l'ont fait Samu et Kani. Ils se sont rencontrés lors d'une kermesse. Il y a eu un regard, un coup de foudre. Kani est tombé amoureux de Samu. Samu aussi est tombé amoureux de Kani. Pour les jeunes, c'est comme ça que ça doit se faire. Ensuite, une affaire de deux individus officialisée devant l'autorité publique. Aujourd'hui, vous voyez, M. Bok ou M. Chaman, lorsque pour moi j'ai choisi la meilleure fille ou la plus belle fille au monde, nous nous sommes déplacés jusqu'à la mairie. On a cherché ce qu'on appelle un certificat de mariage. Pour la jeunesse d'aujourd'hui, ça ne fait pas partie de notre culture, mais ça fait partie de la culture du Touba. Les Blancs, le certificat de mariage, dans la tradition, on ne connaissait pas. Vous voyez donc, pour les jeunes, donc, le mariage moderne, il faut un consentement. C'est un choix entre deux individus d'abord, avant que les parents ne soient au courant. Alors, contrairement au mariage traditionnel, ce sont les parents d'abord qui précédaient au couple. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que les jeunes sont hein, en compte leur point de vue par rapport au mariage. La femme n'est pas un objet à vendre. Comme disait Okumba Gaoula Sey, Bagna de ma femme, hop, objet. Les années 60, les femmes commencent à se révolter contre
le fonctionnement de la société. Et jusqu'à nos jours, les Maria Mama et autres, il y a beaucoup d'écrivains qui ont écrit sur ça, les conditions de la femme. Parce que, voyez, le mariage de Kali, la vie de maman Télé, on n'a pas besoin. Non, non, non. La femme, son rôle, c'est quoi? Faire des enfants, être une bonne épouse, être docile, suivre la vie de ton mari, uniquement. Préparer le repas, laver le linge, les toilettes, extra, et rester à la maison. Parce que Fadiga même l'a dit le mieux, hein. Je suis contre l'éducation des jeunes filles. Parce que demain, elles vont se révolter contre nous. Elles vont se révolter contre nous. D'ailleurs, il y a même des hommes jusqu'à nos jours qui n'aiment pas épouser des filles qui ont fait de longues études. Ou de même des études. Non. Parce qu'ils pensent que ces gens-là connaissent maintenant leur droit. Candice s'est révoltée parce qu'elle dit que moi, pas mort. Elle a dit « Maman, regardez bien dans l'œuvre, elle a dit « Maman, par affection à sa maman, maman, je veux changer tes conditions demain. En étant instructrice, je changerai les conditions de vie demain, jeune frère. » Donc pour elle, elle doit continuer ses études, ensuite devenir quelque chose dans la société et servir hein, ses frères et sa maman. Bon, donc, voyons maintenant le thème de l'éducation dans « Sous l'orage ». Toujours, il y a une opposition entre les deux camps, dans tous les plans. C'est le plan hein, conjugal, maintenant, c'est le plan éducatif aussi. Ils n'ont pas la même vision. Les anciens, leur éducation est une éducation collective. L'année dernière, rappelez-vous, à Mafavogo, il y avait une cérémonie de Ndout. C'est des éducations collectives. Tout le monde reçoit la même éducation. À travers les centres de Ndout. Le Ndout, que ce soit les hommes aussi bien que les femmes. Voilà le fil traditionnel. Et lors de ces initiations-là, on endure ensemble, on partage ensemble, on souffre ensemble. Et on vous prépare que demain vous soyez un homme responsable. Est prêt à affronter toutes les difficultés de la vie. Voilà l'éducation en Afrique traditionnelle. Les djangal ngor, le djom, le foule, le faïda. Pour que demain, même si ton papa n'est plus là, pour que tu puisses faire face aux difficultés de la vie. Prenons l'exemple de Samou. Il a perdu son papa à l'âge de 8 ans. Il est resté avec sa maman Kouma. Alors donc, si vous leur parlez de l'initiation du côté bas, le côté bas, c'est la flagellation. Parce que demain, devant les difficultés, tu ne dois pas trembler. Tu ne dois pas avoir peur. On forme un homme à travers ces initiations-là. Par exemple, en pays CRL. Alors donc, c'est comme ça. Et les jeunes disent, non, vous l'avez vraiment, ça, on l'a dépassé. La manière dont vous éduquez vos enfants là, ça c'est dépensé. Pourquoi hein, une flagellation, c'est-à-dire hein, chicoter les gens comme ça, les frapper. Mais non, dans l'initiation, quand tu fais une erreur, on corrige tout le monde. Tu ne seras pas égoïste. Tu ne seras pas égoïste, tu ne seras pas un individualiste, tu ne seras pas matérialiste. Et tu vas respecter la hiérarchie de la société. Tu seras un homme qui connaîtra le partage, docile. Mais aujourd'hui, on y reviendra tout à l'heure. Voyons l'éducation moderne. Donc, les anciens ont bénéficié d'une éducation collective, respect des supérieurs, conformité aux coutumes, la fraternité, ok, marquée par l'hospitalité, la coopération. L'autre le mot amène dans l'Afrique traditionnelle. Ok? Une éducation transmise de génération en génération. C'est ce que Père Benfa essaie de faire avec son fils aîné Sibiri. Par les anciens à l'occasion des cérémonies d'initiation, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Wong, etc. Alors, pour la génération, vous comme vous, chaque matin vous venez à l'école. Mais ce que les jeunes ont oublié de l'éducation traditionnelle, l'éducation traditionnelle, les gens en bénéficient doublement.
on t'éduque, en même temps on t'instruit. Alors qu'ici, je ne suis pas sûr à 100% que vous allez l'être aujourd'hui. Nous tous, nous avons constaté les comportements irrévérenciels de la jeunesse d'aujourd'hui envers les vieux. Est-ce que donc, peut-on parler vraiment d'éducation? Peut-être. Mais j'ai l'impression que vous, vous êtes instruit, mais vous n'êtes plus éduqué. La jeune génération, voyons ça tout à l'heure. La jeune génération pense que l'école, c'est le lieu par excellence que tout un enfant doit passer pour être bien éduqué. Ensuite, c'est l'école qui transmet le savoir et les connaissances. Et pas à travers les doutes et autres, les autres initiations, non. Mais les enfants là, ils confondent éducation et instruction. Qu'est-ce qu'ils ont bénéficié? L'éducation occidentale, voyez, là, on ne parle de vous. Ils s'habillent comme le Touba. Hein? Vous mettez du rouge à lèvres. Vous pensez que si je ne mets pas de rouge à lèvres, je ne suis pas belle. Ah non! Et pourtant, nos mamans partaient. Ils peuvent aller lors d'une cérémonie de mariage sans se maquiller, sans mettre du make-up, sans animer les ongles, sans même se tresser. Et pourtant, elles étaient très, toutes belles. Plus belles que vous-même. Mais aujourd'hui, le Touba nous a dit même, si tu n'es pas dépigmenté, tu ne fais pas badi, tu n'es pas au diapason. Vous voyez, aujourd'hui, si tu n'es pas une femme de teint clair, tout le monde pense qu'il y a un écoute. Tu es obligé de chercher à gauche, à droite, des tubes pour te dépigmenter, pour te rendre belle. Le khaisal. Est-ce que les jeunes, c'est comme ça qu'il faut se rendre? Non, je ne pense pas. Alors l'éducation occidentale aussi est marquée par l'individualisme. Il y a le collectif, mais ici, one by one. Ok? Ensuite, l'égoïsme. Suivez s'il vous plaît. L'égoïsme. Ici, on oublie l'égoïsme. Ouais. Même ce que Moussa Diamand vous fait faire, quand il vous dit chacun pour soi, Dieu pour tous. Alors dans l'éducation collective, ce n'est pas chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais à l'école du Touba, c'est ça qu'on vous apprend. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Ouais. Ensuite, sur le goût au progrès, vous aimez trop de progrès. Voyez avec le téléphone portable, chacun est dans son coin. Pourtant, Birama aurait dit à son papa, même manger autour d'un même bol, ce n'est pas sûr. Parce que boire, hein, à part du même verre, ce n'est pas sûr. Tu peux avoir des mics, des maladies. Tu peux être transparent des microbes. Alors que non, à l'Afrique traditionnelle, c'est le partage. C'est le partage. Quand le repas est fini, on pose le bol, les failles, les djoufs, les ngoms et les sars autour du bol. N'est de l'air. Aujourd'hui, maintenant, l'individualisme nous connaît même. Quand Moussa Diamand se marie, son épouse lui dit, hey, cherche-moi un appartement à Sali ou bien à Almadi. C'est l'individualisme, c'est l'égoïsme. Maintenant, tu ne peux plus maintenant recevoir tes soeurs, tes frères chez toi. Voyez, l'éducation occidentale a disloqué nos familles. Ensuite, allons à la page 67. Voyons à la page 67 jusqu'à la page 62, 68. Bientôt je vais terminer, Inch'Allah. 67. Voyez l'individualisme. C'est Kané qui dit à Samou, bouge marié. Dernier paragraphe, dernière partie. Tu vois cette maisonnette? C'est Kané qui dit ça à Samou, bouge marié, ouais. Bon, m'attaquez, vous parlez. Tu vois cette maisonnette? Kané, tu la vois juste devant nous. C'est ce genre qu'il nous faudra. C'est Kani qui dit ça à Samou. Qu'est-ce que vous m'attaquez? Que vous mêlez là, vous me donnez. C'est l'individualisme. C'est l'égoïsme. Alors donc, Anjaganyan, ils disent que, avec les trois doigts là, vous utilisez pour écrire, ça veut dire quoi? Le mari, l'épouse et le chien. Ouais, quand j'écris, je tiens le stylo avec mes trois doigts.
le mari, l'épouse et le chien. Oui, c'est l'individualisme total. Ensuite, j'ai dit 68. Quand il leva la tête, son visage devint radieux. Elle est contente avec cette promesse-là. En tout cas, c'est moi qui choisirai les meubles, fit-elle avec un sourire enfantin. Comme tu voudras, répondit Samu. Content d'avoir libéré sa camarade de Dabi et de son lugubre. Et ils parlèrent de leur futur ménage. Voyez, ils ne sont même pas encore mariés, mais déjà ils pensent à leur futur ménage. Maintenant, ils ne m'oublient. Voyez, c'est moi qui vais choisir les meubles. C'est comme ça maintenant la jeunesse. Quand vous vous mariez, vous vous isolez à Dakar. Niman viendra à Mar Fafoko peut-être, s'il y a une cérémonie, un baptême. Le soir, non, je ne laisse personne à la maison, je dois rentrer comme ça. Vous voyez? Voilà l'éducation occidentale. Ensuite, la page 94. Bientôt, je vais conclure, Inch'Allah, pour permettre aux autres. La page 94. Il dit, ceux qui vont à l'école ne nous reviennent plus. Ils ne nous reconnaissent plus. Ceux qui vont à l'école ne nous reviennent plus. Ils ne nous reconnaissent plus. Ça veut dire quoi? Que l'école occidentale, une fois là-bas, que tu as tes diplômes maintenant, il y a où dans ce bon prêt des femmes. Tes parents, non. Il y a des gens qui sont comme ça. À l'école, du CE jusqu'à l'université, vos parents vous aident. Vous donnez beaucoup d'argent. Vous achetez des habits. Maintenant, tu es directeur général de la Laurence. Bon, vraiment, papa, je suis un peu occupé. Bon, le week-end, est-ce que je ne pourrais pas venir au village extra? Tu commences à tourner le dos à ta famille, à ton village. Vous voyez? Ça, c'est un mauvais comportement aussi. Alors donc, nous pouvons retenir que l'éducation occidentale a entraîné une acculturation de la jeunesse, génération. Ça veut dire quoi? Vous avez oublié votre passé. Ce qui est grave, quelles que soient les conditions, quels que soient vos rangs demain, restez soudés en vos cultures traditionnelles. Donc, c'est pourquoi cette génération-là, on peut dire, c'est une génération qui a rejeté la culture traditionnelle, qui a rejeté le point de vue, les coutumes traditionnelles. Ensuite, à la page 60, c'est là où je vais terminer. Je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Alors donc, je termine par ceci. Vous qui êtes la jeune génération, je termine par ça, s'il vous plaît. Senghor disait, le jour d'un tronc dans un marigot ne le transforme jamais en crocodile. Le séjour d'un tronc dans un marigot ne le transforme jamais en crocodile. Tu fais 1000 ans en France, tu ne seras jamais un touba. Donc, l'aigle aura beau planer au firmament, sa carcasse restera en bas, comme disait Akeloba. L'eau yag chez Toubabi, l'eau imité Toubabi, tu ne seras jamais un touba. Donc, pour maintenant réconcilier les deux cultures, vous faites quoi? Ils disent enrichissement, ouverture. Connais-toi toi-même avant de s'ouvrir aux autres. Ramène ces cultures. C'est pourquoi je suis fier de la population de Mar Fafoko. Malgré l'avancée, le modernisme extra, ils restent ancrés dans leur culture. L'année dernière, on a un exemple patent avec le Ndout. Mais aujourd'hui, chez moi, par exemple, on ne parle plus le Ndout. Et ce qui est dommage, parce que c'est des moments de réconcilier la jeune génération avec leur culture. Mais si vous laissez votre culture, vous allez suivre une culture d'autrui. Et ce qui est dommage, Donc c'est ainsi qu'il a prôné l'enrichissement et l'ouverture. Donc, chers élèves, chers invités, chers étudiants,
Vraiment, c'est ce que j'avais comme point de vue par rapport à l'œuvre de Seydou Badian, puisque maintenant c'est un lieu d'échange. Certainement, il y aura des contributions et des questions. Il y a aussi des gens qui sont là, je sais qu'ils maîtrisent mieux comment l'œuvre. Donc, j'ai juste fait de mon possible pour vous éclaircir un peu les différents thèmes développés dans l'œuvre de Seydou Badian sous le rail. Mais je sais qu'il reste encore d'autres thèmes à développer, mais je ne vais pas trop monopoliser la parole. Donc, je vais la rendre et vous dire vos questions, vos suggestions et vos contributions sont les bienvenues. Merci beaucoup.